Salut, bonjour. Vous allez vous dire quel drôle de présentation à l'image. Oui, il s'avère que avec les lois qui sont passées, notamment au niveau de l'Europe, si on emploie ne serait-ce que la moindre image sur laquelle quelqu'un puisse porter un droit de regard, des droits d'auteur ou je ne sais plus quoi, vous pouvez vous retrouver jugé même hors de votre présence et votre connaissance de la chose, à des amendes qui peuvent se monter à 100 000, 200 000 euros, suivies de poursuites, expropriation, voilà, carrément la totale. J'ai aussi appris dernièrement qu'en fait, l'outil Internet n'est pas vraiment de l'invention humaine et que donc il ne nous appartient pas. Point. Globalement, quoi. Hein. On a un niveau de décision où vraiment, vraiment, tout ce que nous, youtubeurs, pouvons dire, faire, est le dernier des soucis. C'est vraiment aucune importance. Au contraire, finalement, maintenant, tout ça ne devient plus que négatif envers nous. Je pense qu'il est temps de s'en retirer. Je ne sais pas comment on va faire. J'ai élaboré une idée, c'est qu'en fait, la vidéo va se résumer au titre que vous allez lire sur la vignette. Ce sera des unes de titres de journaux, quoi, on va dire, de Flash Info. Donc là, pour savoir de quelle vidéo je vais parler, vous avez le titre sur mon lecteur VLC. C'est April Sherpao avec James Orak sur CKUW. Plus loin, Where Angels Fear to Thread. Là où les anges ont peur de s'avancer, je dirais. Et donc, je vais vous en traduire des petits bouts avec certaines news, quoi, si on peut dire, certaines informations intéressantes à avoir. Et le tout ne sera illustré dorénavant que par mes propres photos, mon propre travail. Ça va très très loin, hein, leur histoire, hein, méfiez-vous vraiment. J'ai un léger petit problème, j'en suis à 650 vidéos et quelques. Eh bien, je ne sais pas combien il va en rester en ligne. Il faut que je revoie toutes les vignettes et tout. Aïe, hein, vous imaginez un petit peu. Comme si on avait que ça à faire. Parce que pendant ce temps-là, l'actualité continue. Donc, je vous ai fait en deux mots ce matin. Ben, en fait, j'ai parlé pendant 20 minutes, hein, et il m'a pris 40 secondes. YouTube m'a pris 40 secondes, les 40 premières secondes, et après, il bloque. Je ne comprends pas pourquoi. Alors, on m'a dit que c'était le Linky qui me faisait passer le CPL, je ne sais pas quoi. Je ne connais pas assez. Sais pas de quoi ça parle. Faut dire que j'habite ailleurs qu'en France, c'est ça? Bon, ben, je vais me mettre en Suisse. Pas tout de suite, hein, il n'y a pas le feu au lac, quand même. Donc, Kevin Smith, qui était un ancien animateur radio, qui est mort, a fait connaître quelque part James Orak, qui, je le rappelle, admet qu'il ne vient pas d'ici, lui. Son âme n'est pas humaine. Il a la conscience unifiée et non pas comme nous, deux hémisphères cérébrales. Il est en contact avec les EMV qui tournent autour du Soleil. Pour lui, ces EMV sont des agrégats d'âmes qui sont logés dans ces EMV. Et ces EMV-là, pour tous les ETs courant avec lequel, par exemple, l'armée est en contact, l'armée américaine normalement. Pour eux, ces EMV, c'est quasiment la main de Dieu. Ils savent. C'est le même niveau d'incompréhension qu'ont en général le public moyen avec le moindre ITI. Ou nous, la notion de Dieu qu'on a, eh ben, eux l'ont vis-à-vis de ces ovnis et de ces habitants et de cette ambiance, comment dire. Alors, sans oublier que quand ils considèrent notre notion de Dieu, ils nous disent, il y a très longtemps que nous avons arrêté avec ces superstitions.
et qu'on ne peut pas tellement se fier vraiment à tout ce qui nous vient de l'astral, mais il y a certaines personnes qui ont dit, non, mais dans l'astral, là, ou dans l'après-vie, il n'y a aucun religieux. Ils sont tous aux étages inférieurs en rééducation, en décontamination, convalescence, rééducation. La perte de pouvoir que vous accordez ici en cédant à une religion et en vous y soumettant est une catastrophe. Si, quand vous étiez à l'école, le gros balèze du coin qui n'arrêtait pas de vous taper dessus, vous l'aviez respecté, vous ne seriez peut-être pas en train de regarder mes vidéos aujourd'hui. Si vous aviez admis, vous pouviez accepter sa tyrannie physique, mais mentalement, vous dire « attends que je te trouve, toi. Attends que j'ai un peu grandi, toi. Hein, » dans le genre. Oui, bon, c'est pas un très très bon état d'esprit, mais quand on est môme, il faut pas pousser mémé dans les orties non plus, quoi, en général. Hein. Enfin, peut-être que ça dépend des mômes, peut-être qu'aujourd'hui, avec un peu de chimie, tout le monde vient mou, tout le monde a les dents qui se transforment en poils, et plein d'autres choses à l'avenant, qui finissent par influencer nos lois, qu'ils passent maintenant sans même plus avoir d'opposition à quelques députés sur 570, 540. Ils passent des lois, ils sont combien dedans là ? Au pire, ils ont été 6, je crois, un jour. Passer une loi catastrophique, à 3h du matin, bien sûr. Ah non, parce que les autres, pendant ce temps-là, ils dorment. Alors, il y en a qui dorment, il y en a qui ne dorment pas. Je ne sais pas, moi, c'est quand même le premier service où je vois la moitié du personnel ne pas être là, alors que... Hein, vous imaginez l'aviation qui marcherait comme ça ? Il est où le pilote là-bas ? Non, ben là, il dort. Là. Et les aiguilleurs du ciel ? Ben non, là, il fait son anniversaire, là, donc on fait un petit pot à côté. Je ne sais pas si à l'heure de l'iPhone tout puissant, il n'y a pas moyen de communiquer quoi qu'on fasse, où qu'on soit, et rester en contact avec son travail, pouvoir voter de manière cryptée, etc., etc. Donc, en fait, toutes les lois qui n'ont pas été passées par la totalité des députés, en présence hein, de la totalité des députés, devraient être abrogées immédiatement. Mais enfin... Qui c'est qui a encore un cerveau là-haut là ? Si on en revient à James Orrack, son expérience de vie a donc été assez unique. Il a eu une vie civile américaine, hein. Il a fait son service militaire, il a été dans l'armée. Il était dans la marine, je crois, et quand il était sur le pont, il y avait des ovnis constamment. Alors il a fini par se faire remarquer. Il y a eu des trucs dans le genre. Mais ce n'est pas ce qu'on va élaborer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire de la politique générale. Il nous parle d'ailleurs de son livre qu'il a écrit, qui s'appelle « Siege in the Davis Mountain ». C'est-à-dire que c'est un bouquin qui retrace des épisodes de ce qu'il a vécu, alors qu'il était en Arkansas ou au Nebraska, enfin, chez Bill Clinton. Et ça traite de tout ce qu'il y a comme lien entre la politique, la mafia, l'industrie, les inventeurs. Il a trouvé un truc incroyable, une terre particulière qui fait des vins incroyables. C'est la raison pour laquelle en Californie, il y a une telle concurrence avec la qualité des vins. Et ce savoir-là est interdit. C'est d'autant plus aberrant qu'en fait, en général, tous ces gens-là sont arrivés à leur poste de pouvoir, ont eu le cursus qu'ils ont eu grâce à la solidarité générale, grâce à la paix générale. Qu'on ne nous fasse pas rire. Demain, peut-être qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus tellement envie de se rebeller, ne savent plus comment faire, n'osent pas, je ne sais pas. Mais il y a 70 ans, vous rigolez ou bien ? Et dans le monde entier, cet état de fait là, ne serait jamais passé, n'aurait jamais duré... un peu plus que le temps que la phrase qu'il fallait pour l'énoncer à la radio, à mon avis.
Et donc, à l'époque, naïvement, James est allé voir les officiels du gouvernement avec sa découverte, pensant que, n'ayant jamais cru que si quelque chose était trop beau pour être vrai, les gens n'y croiraient jamais. Le pouvoir de s'attendre à, d'espérer, permet à quelqu'un de changer sa concentration dont il aurait besoin pour résoudre un problème. C'est quelque chose qui permet d'avoir un raisonnement de point A en B, en C, en D, à la suite, sans heurts, et d'avoir des conclusions que les gens qui ont justement la conscience séparée, c'est-à-dire l'humanité en général, ne sera donc pas capable de réaliser par rapport à quelqu'un qui a la conscience unifiée. Nous avons le corps calleux entre les deux hémisphères qui fait un carrefour de relations. A priori, James n'a pas cette configuration-là. En tout cas, il s'en passe. Les informations circulent directement dans le cerveau de gauche à droite, sans pouvoir être justement différenciées d'un hémisphère à l'autre. Le pire, c'est l'ambiguïté et le doute qui existent chez nous. Il est vraiment contre toute forme d'hypnose, et notamment l'hypnose qui existe par la répétition et la redondance des termes. Quand vous allez à l'école, on dit répétez après moi, déjà. On ne vous fait pas vous-même élaborer le son par vous-même. Il rêve d'un pays où la science ne serait pas gardée secrète de la population, ainsi que les découvertes médicales. On n'aurait pas cette situation où le Pékin moyen ne peut pas participer aux évolutions. On n'aurait pas cette situation où les militaires, le complexe militaro-industriel, a ses propres intentions pour l'évolution du monde. Ah bah oui, non mais on sait pourquoi, hein. On sait qu'en fait, c'est la partie recherche et développement et application des laboratoires qui rétro-ingénierie des technologies financées par les banques, hein, en gros, les 13 banques. Vraiment en gros, hein, même si maintenant il n'y a plus les 13 et tout ça, ou s'ils y sont encore, enfin, quelle que soit la situation, l'idée c'est que ce n'est que le résultat de ceux qui tiennent la finance, quoi. Et le pouvoir depuis fort longtemps. Bon, je ne sais pas s'il faut que je le précise, mais sur ma chaîne, vous savez, on fait de l'exopolitique. Roswell, c'est une mise en évidence de la collaboration entre les ETs et les humains mal intentionnés qui amènent la planète au service des ETs, à la soumission à la technologie et à la destruction de l'humanité, de toute vie d'ailleurs en ce moment. Hein, c'est des entités qui sont derrière la 5G, c'est des entités qui sont derrière la recherche sur le silicone et l'informatique, c'est des entités qui sont derrière les vaccins, avec ces tellement de difficultés à trouver d'où ça vient, comment ça vient, ces changements, ces passages d'une espèce à l'autre, ces savoirs exogènes qu'ils ont transmis donc par le biais des fois d'un échange d'énergie lors de soirées particulières entre des scientifiques qui s'adonnent à des sciences occultes, à des arts noirs. Ils font des communications, des channelings particuliers avec des entités qui leur donnent les moyens d'être efficaces au niveau technologique et aussi, enfin oui, d'avoir une sécurité dans la réalisation de leurs projets par des biais énergétiques. S'il devait y avoir une opposition, l'opposition va dormir ce jour-là. S'il peut y avoir un problème mécanique, il y aura le problème mécanique dans le genre. Les entités peuvent agir sur les égrégores humaines assez facilement. C'est d'ailleurs leur jeu préféré. Ils s'en nourrissent, ils la manipulent. C'est une forme d'énergie dont ils peuvent se servir
à de multiples emplois. Bon. Et puis oui, des fois, il y a aussi des petits coups de pouce physiques. Mais ça, je manque de preuves. Mais voilà. On appelle ça les synchronicités. Alors là, il nous parle un petit peu de géopolitique, en fait, de politique intérieure aux États-Unis, de Trump, de Bolton, et puis de la situation en Chine. Et il dit que c'est complètement aberrant que les gens puissent imaginer que ce sont les Chinois eux-mêmes qui aient provoqué cette épidémie à partir de chez eux. Oui, on a un petit peu élaboré sur ma chaîne. A priori, on est dans une situation où à peu près n'importe qui d'autre peut aussi promouvoir une pandémie à partir de la Chine, se servant de virus qui, en fait, sont une souche américano-canadienne qui a été officiellement, plus ou moins, d'ailleurs en plus, importée en Chine par 4 laborantins chinois du laboratoire P4 de Wuhan qui travaillaient au P4 canadien. Ils se sont fait expulser. On subodore que c'est eux qui ont rapatrié la souche. La France et la Chine avaient fait en sorte que les Chinois soient au top niveau, au niveau P4. Et les Chinois y étaient parce qu'en plus, ils n'ont même pas la même stratégie d'étude des virus que les autres, que nous, l'Occident en tout cas. Et donc, ont une base de données bien plus complète que la nôtre, vu leur stratégie d'étude. De sa génétique. Et donc, quelques infos en diagonale là sur la Chine, puisque mon live de ce matin a capoté au bout de 40 secondes alors que j'ai parlé les 20 minutes. C'est toujours la cata. La Chine voit les militaires envahir toutes les villes. Les paysans commencent à déverser les invendus. À l'arrivée des trains, sur les quais maintenant, il y a des tonnes de tomates, de pommes, de fruits, de légumes. Et pendant ce temps-là, les villes ne sont pas du tout approvisionnées. Les gens crèvent la dalle. Il y a quelques moyens de se ravitailler par ceux qui ont été emmurés dans leurs appartements par le biais des balcons. Il y a la nuit des troupes de contaminés qui essayent d'aller se ravitailler, mais ils se heurtent à des troupes de milices, de police, qui font fermer les magasins de nuit et essayent d'attraper quiconque se baladerait de nuit, étant donné que ça signe quasiment votre état de contaminé. Les bateaux de croisière qui sont à quai voient le nombre de contaminés augmenter dangereusement. Le Princess Diamond en est à, je ne sais pas, il y a à peu près 4 500-5 000 passagers à bord. Le rythme de progression des contaminés, ça a été 4, 12, 64, 128, 256. On en est à peu près dans ces eaux-là et ça monte encore. Ils sortent des banderoles par leur balcon pour dire qu'ils n'ont plus de médicaments à bord. Et sur les quais, les gens leur demandent avec des banderoles, que vous faut-il ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a même pas de communication téléphonique, même pas un fil encore qui relie le quai au bateau. Et il est là à quai. Hein, vous le touchez quand vous êtes sur la terre ferme, vous touchez le bateau, là, si vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je ne comprends même pas pourquoi les gens ne peuvent pas communiquer autrement que par des panneaux. Mais bon. Donc, il est clair que les bourses crachent. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe à la télé, ce que les gens savent. J'ai quelqu'un qui m'a dit que tout ça a été du cinéma. Je crois que c'est un troll, en fait. Hein. En fait, je crois que c'est un troll. Je crois que, oui, il a 12 ans et il connaît du monde ce qu'il peut voir depuis sa télévision, les dessins animés. Hein. Ou c'est juste un troll. C'est assez bizarre. Comment on peut connaître aussi peu le monde et croire que on n'arriverait pas à mettre un pays en quarantaine ? La Chine est en quarantaine, il y a des militaires partout, toutes les frontières sont fermées.
Ça s'appelle une quarantaine. Les routes sont bouchées, il n'y a plus de communication, il n'y a pas de transport. Ça s'appelle une catastrophe. Parce qu'une quarantaine, si vous pouvez quand même survivre, au moins, hein, avoir le temps d'essayer de voir si vous allez survivre. Tandis que là, 2 semaines sans manger, même en bonne santé, je ne sais pas comment les gens vont faire. Oui, parce que le sun gazing pranaïsme, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Hein. Non, ça se prépare sur des années. C'est quand même fou. Alors là, il nous met en évidence, oui, les gens arrivent en disant c'est un false flag, c'est du cinéma. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Je ne le crois pas. Dans ce monde actuel d'ambivalence, où tout le monde peut être un peu n'importe quoi, c'est soit oui, soit non au niveau de la réflexion, quoi. Oui ou non, mais entre les deux, une troisième possibilité, le peut-être. Choisissez un nombre et le gars, il va choisir entre 0 et 1. Genre. Hein, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 9, 40, 78 000. Non, non. Ça ne lui vient même plus à l'esprit. C'est 0 ou 1. Il y a assez longtemps, on a inventé un réostat qui permet d'avoir la lumière éteinte et puis de l'allumer un petit peu à la pleine puissance. Vous voyez? Mais entre-temps, là, il y a toujours de la lumière et diverses intensités. Mais ça, c'est une capacité de cerveau que certains ont perdue. Maintenant, soit l'ISS, elle est fake, il n'y a pas d'ISS. Mais un de ces quatre, là, il y en a un. Ben, d'ailleurs, il y avait Papyrus qui s'est amusé il avait mis un chapeau, enfin pas un chapeau, un chiffon rouge, un bandeau autour, et il se fendait la gueule et il faisait une caricature de mon personnage. Ben, un jour, quelqu'un va faire ça un peu plus réussi, quoi, que vous allez y croire. Et puis après, il va enlever sa fausse moustache, vous allez dire, ah, pam, c'est un fake. Et vous allez oublier tout ce que j'ai pu vous dire dans le genre. Hein. Alors que non, mais regardez, c'est pas parce qu'il y a une imitation qu'il n'y a pas un vrai. Et puis si j'avais des jumeaux, si on était des triplés dans la famille, on n'aurait pas perdu les mêmes dents? Vous ne les voyez pas, mes dents. Mais enfin, c'est quand même fou, parce qu'il n'y a pas que l'ISS, il y a tout là-dessus. Soit le vaccin. Attends, pas le vaccin, le virus. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Alors, il peut être vrai, les infos peuvent être fausses. Et puis, le pire, c'est pas ça. On s'en fout maintenant si le virus est vrai ou faux. On regarde les conséquences de cette annonce. La Chine est bloquée. Nous, on a les lois qui tombent. On va se faire exproprier. On peut se faire quarantiner. Vaccination d'obligatoire d'ici fort peu de temps. Même si la vaccination n'a jamais. Il n'y a pas de vaccination qui existe. Ça n'existe pas, le sens de vaccination. Il n'y a qu'une seule vaccination, elle est naturelle et elle est suite à la fréquentation des germes différents auxquels notre système immunitaire se confronte au cours de notre vie. C'est vraiment une catastrophe, hein? C'est des gens qui vont bientôt vous dire l'eau, ça peut être sec. Ouais, c'est vrai, on a de l'eau en poudre là. Ah, moi, je vous fais de l'eau en poudre. Hein. Je vous fais un bloc de glace d'oxygène, un bloc de glace d'hydrogène. Oh, ben oui, ça n'existe pas sur Terre dans les conditions normales de température et de pression. Hein. Évidemment, il faut être au froid absolu et à une pression incroyable. Et on cristallise comme ça les même des gaz. Hein? Ben, l'eau, ça peut être de la glace et de la vapeur, ben, la même chose, quoi. Mais il faut un petit peu, hein, des conditions qui n'existent pas vraiment sur Terre. Normalement, naturellement. Comme ça, j'invente l'eau en poudre. Non, mais enfin, c'est ridicule. Qu'est-ce que vous faites avec l'eau en poudre? Ben, vous en mettez un peu dans un verre et puis vous la diluez dans un peu d'eau. Dans le pastis. Bon, je continue. Les trucs plus sérieux. Bon, il y a des gens qui tombent raides morts dans les rues, hein.
il y a constamment des petites vidéos qui tournent avec des gens qui filment depuis leur immeuble, dans les étages, le balai des ambulances en bas qui enlèvent les civières les unes après les autres. Comme j'avais dit qu'il y avait des vues satellites, des nuages de SO2, il a mis ça en doute, il a tout mis en doute. Les satellites, l'interprétation, et ci, et ça. Oh là là, et oh, c'était une vision satellite des images du monde météo. Hein. C'était pas enquête spéciale, machin. C'est, vous allez sur USGS, vous prenez le programme, je ne sais pas lequel, qui vous permet de voir toute la météo. Allez voir Suspicious Observer, il a toutes les références là-dessus. Et puis vous allez voir que là, il y a plusieurs panaches qui sont qualifiées comme étant du sulfure d'oxygène, du SO2, quoi. Comment on appelle ça? SO2, l'oxyde de soufre, hein. Et on a les témoignages des gens qui travaillent dans les crématoires qui disent qu'ils doivent en cramer 3 fois plus que d'habitude. Ah non, parce que ça marche quand même tout le temps, même quand tout le monde va bien, un crématoire, hein. Il y a des gens qui naissent et qui meurent tout le temps. Mais là, 3 fois plus. Donc, 3 fois plus depuis 40 jours, et les autres, ils vous annoncent 200 morts. 3 fois plus. Bon, en comptant même les morts naturelles, ils en sont donc à 100, ils disaient, plus de 168, 170, on va dire, par jour. Fois 11. 187, 1870 par jour. Hein. Ben, on a déjà dépassé les 200, là. Et puis, parce qu'il y a 11 crématoires. Et non, il y en a même 17. Enfin, on va dire 11. On s'en fout. Et 40 jours, ben, on est à 70 000 morts, minimum. Enfin bon, je ne sais pas. Les gens qui savent pas grand-chose et qui veulent tout critiquer, en pensant que nous, là, qui avons quand même un certain niveau de lucidité critique, de connaissance globale, on est des vrais blaireaux, quoi. Hein? En pensant qu'on a 2 de QI en plus, en pensant qu'on a pire que leur niveau. J'hallucine, j'hallucine. Et un pavé pour me dire c'est du cinéma. Ça sert à quoi, ça? Ça me fait perdre du temps, c'est le but du jeu du troll. C'est pendant cette demi-heure-là, il va me répondre, il va perdre du temps, il va s'énerver. Hop, pendant ce temps-là, il n'est pas en train de faire une vidéo. Ouais, ça a bien marché. Ça a bien tenu 5 minutes et maintenant j'en parle encore pendant un quart d'heure. Mais t'es grillé. Toi et ce genre d'attitude sont grillés. Enfin, un peu de sérieux, quoi. Les enfants restent avec les enfants, ils laissent discuter les adultes ensemble. Hein. C'est une vieille règle qu'on va remettre à l'heure, là. Non, mais ça va pas, non? Je reprends mon raisonnement, on regarde les résultats de l'épidémie ou de pas de l'épidémie. Voilà, blocage de l'économie, effondrement financier boursier, militarisation de la Chine, loi scélérate chez nous, loi martiale. Elle est là, là. Elle est par là, là. Et changement de monde, hein? Changement de monde. Le changement de monde, changement de politique. The Grey State nous pend au nez. Le crash boursier était déjà en cours, hein? Depuis 2008, il est en cours. Il renfloue à coups de milliards, là, en ce moment. En ce moment, je ne sais même pas s'ils sont pas passés au trilliard, finalement, hein? Surtout en Chine. Je ne pense pas qu'il n'y ait que les Américains qui renflouent à fond avec, je ne sais plus combien ils mettaient tous les jours, 80 milliards à la Réserve fédérale. Au lieu de le filer au peuple en plus, ils le filent encore dans des banques. Mais c'est du foutage de gueule, quoi. Mais je pense qu'il faut que les gens sortent avec une pioche et puis commencent à démonter les bâtiments. Ils commencent à nous gonfler, ces administratifs-là. Il est où leur poste de commande, quoi? Non, mais ça suffit, tu vois, enlève tes doigts de la machine. Non, mais ça va être le seul moyen, on va couper les câbles. On va couper tous les câbles. Allez, démerdez-vous, les gars. Va faire le siège du bâtiment. En pensant au souterrain. Et puis voilà, quoi.
Et puis voilà, et tout le monde va s'y mettre. Parce que de toute façon, quand ça va être bloqué, là, ça va partir aussi en domino. C'est terrible, ça va être le seul moyen. Soit on passe par là, et c'est la grosse crise, mais pas forcément guerre civile et tout ça, mais la grosse crise. Soit on va vers le Grey State. Ce qui ne fait pas plaisir forcément à tout le monde. Hein? Alors, à propos de nos news, il semblerait qu'il y ait eu 6 cas de plus à Contamine. Contamine-Montjoie, en Savoie. Ah. Ben, la semaine dernière, il y en avait 4 qui ont été mis de côté. Là, il y en a 6 de plus qui se déclarent dans le même bled. Et ils vont être mis de côté maintenant. Depuis une semaine, tous les gens qui vont et viennent à Contamine-Montjoie sont potentiellement des porteurs sains contaminants. Hein, les 4, là, ils ont contaminé les 6 d'aujourd'hui, ou d'hier, on va dire, avant d'être mis à l'écart. Ces 6-là, maintenant qu'ils sont déclarés, mais ça fait une semaine qu'ils sont porteurs aussi, ils ont été contaminés. Donc, tous les gens qu'ils ont croisés là, ben, parmi eux, d'ici 15 jours, 2 semaines, vont se déclarer un certain nombre de cas. Et etc., et etc. En fait, quand il y a 4, avec ce genre de plan, quand il y a 4 cas qui se déclarent à Contamine, dans l'école de Contamine-Montjoie, on met toute la ville sous quarantaine immédiatement. Et plus personne ne rentre et ne sort. Et on téléphone et on dit qui a connu ces 4 personnes, ce qu'ils font maintenant en Chine. Là, il dit, vous étiez dans tel bateau, dans tel cinéma, dans tel avion, dans tel train, avec un tel qui est mort. Vous êtes censé être contaminé, venez avec nous. Hop. Donc, ben voilà. C'est intéressant de voir que un clampin à la retraite a plus de jugeotes anti-pandémie que des professionnels au pouvoir. Mince. Mince quand même. Ben, je vais me présenter comme président. Hein? Alors là, vous avez tout à y gagner, hein, en fait. Et puis, je vous dis tout de suite mon programme, hein, moi. Hein. C'est dans 6 mois, vous vous démerdez tout seul. Tout le monde. Donc, vous avez 6 mois pour vous mettre à jour avec tout ce que je vous raconte sur ma chaîne, quoi. Hein, parce que là, il y a les moyens pour que tout le monde soit indépendant, autonome, bienveillant, lucide, au courant de ce qui se passe et de ce qu'on fout sur la planète aussi. Avec un petit manque d'humilité, mais globalement... Allez-y, quoi, trouvez-moi d'autres. Contredisez-moi. Contredisez-moi. Ouais, c'est pas contredites-moi. Pas vraiment, ça, c'est pas très gracieux. Hein. Je fais des fioritures de langage alors qu'on est en pleine déperdition mondiale. Ben oui, gardons le moral, après tout. Finissons en beauté, mais en beauté honnête, pas en beauté, comment dire ça, je peux pas gagner, donc je shoote dans la table, comme ce qui se passe en ce moment. Je peux pas jouer, enfin, je peux pas gagner aux échecs, hein, donc je shoote dans la table d'échecs, pour être précis. En quart, je vous rappelle qu'en fait, la conclusion quelque part du titre, ne serait-ce que le titre, du livre de Paul Hélier, qui est l'ex-ministre canadien de la Défense et de l'organisation simultanée des armées canado-américaines et plein de choses dans le genre. C'est lui qui a admis qu'ils étaient en contact avec au moins 4 espèces d'E.T. différentes et que sur les 4, il y en avait une qui était vraiment néfaste, toxique et dangereuse. Tandis qu'avec les 3 autres, c'était à peu près, ça allait, paraît-il. Le titre de son livre s'appelle « La mafia de l'argent ». Pas l'argent de la mafia, hein. La mafia de l'argent. La disclosure, l'évolution humaine n'est tenue plus que par les banques. Et puis les groupes qui ont, enfin, qui n'ont pas forcément une banque avec pignon sur rue, mais qui disposent de sommes... extravagante.
Donc c'est pareil, ces entreprises-là, ben, on prend une pioche, une clé à molette et on va la démonter. On va la démonter, tant pis. De toute façon, moi, une Rolls, j'en aurais jamais, je m'en fous, hein. Et si, et ça, j'en aurais jamais, j'en aurais jamais. En plus, ils ont déjà tout, eh ben, on va se passer de tout ce qui nous entretient dans une civilisation malheureuse, hein. Toutes ces moteurs polluants, ces consommations polluantes, ces pis-aller. On va se passer de tout ça, on vire tout. On vire les petits crétins qui sont au gouvernement, c'est les criminels. C'est les criminels, il y a des morts, ils mentent, ils trichent, ils ont tous des casiers judiciaires, des détournements de fonds, des abus de pouvoir. L'autre, elle a fait un contrat avec le Turkménistan, elle va palper 10% du contrat. Ouais, ce sera ça de passer au gouvernement. À pouvoir palper des bakchiches sur tous les contrats que les pays passent entre eux. Vous vous rendez compte? Alors après, ils deviennent richissimes, quoi. Alors, quand on est richissime, on peut commencer à se payer de l'avocat, et puis on devient intéressant pour les autres, il y a des clubs qui se resserrent, il y a des liens qui se resserrent, et ça fait un élément de plus contre nous. Et vous voyez, ils ne viennent pas, quoi. Hein? Ils vous marchent dessus. Ouais. James nous dit qu'ils sont en train de remodeler le Canadien de la même manière qu'ils ont remodelé l'Australie et qu'ils sont en train de la remodeler avec des corruptions bancaires, des crashs. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point déjà des phénomènes comme le fracking ont pollué des zones immenses et vierges comme le Canada, l'Australie et ailleurs. Vous ne pouvez pas imaginer. Vous regardez ça sur Google, vous allez en pleine forêt où vous voyez plein de petites installations avec des toutes petites routes qui amènent à un puits. Petite route, un puits, un puits, un puits, un puits. Il y en a des centaines et des centaines. Le fracking marche en envoyant sous pression de l'eau, soi-disant. D'ailleurs, souvent, ça prend l'eau des peuples pour l'envoyer sous pression, faire ressortir les huiles de schiste, le pétrole, quelque part. Il est juste en train de me bouffer le film. Alors, en même temps, il renvoie en souterrain des eaux toxiques, des déchets, ce qui fait que ça va polluer les nappes phréatiques. Et si possible, dans leur but, a priori, il y a le désir de polluer les océans souterrains à 800 km. Ce que je pense qu'ils ont déjà peut-être réussi à faire s'il n'y a pas des équipes en dessous pour réparer les dégâts. Le désir de destruction qui anime ces gens-là n'a pas de limite. Donc, je pense qu'il faut juste se le rappeler, quoi, hein. Donc, en Australie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont investi beaucoup d'argent américain ou canadien, enfin de l'argent, pour acheter des terres qu'ils ont après brûlées. Parce qu'en fait, là, sur place, ils disposent de plus de possibilités de géo-ingénieriser la Terre que dans des nations plus habitées. Il y a très peu d'habitants au kilomètre carré en Australie et au Canada aussi. On n'oublie pas que la NSA a une super base, Pine Gap, en Australie, que l'Australie fait partie des cinq yeux, Five Eyes. Ben, James nous dit, oui, je ne sais pas s'ils sont pas plutôt 7 ou 9 ou beaucoup plus maintenant. Ce sont ces pays qui disposent de systèmes de radars incroyables, qui sont en relation les uns avec les autres. Avant, c'était tous ceux qui étaient anglophones, hein, qui étaient reliés au Royaume-Uni. Mais maintenant, ça s'est un petit peu élargi. Par exemple, nous, on ne fait pas vraiment partie normalement du Royaume-Uni, quoi. Mais je suis quasiment sûr que nos radars qui sont en Polynésie, hein, on doit bien avoir un ou deux là-bas, non?
participe de ces réseaux-là, comme le réseau Échelon, et etc. Il semblerait que son ex-pote Kevin Smith avait découvert que les États-Unis avaient un problème de roquettes, de lanceurs d'ogives, bien plus que ne l'avaient les Russes. D'après James, les Russes ont déjà envoyé des sondes sur la Lune. D'après James, avec le niveau technologique qu'ils ont, les Russes, ils ont déjà des satellites autour de Mars. Mais bon, il y a quelques années, on parlait de la cosmonaute russe, Popova, je crois qu'elle s'appelle, qui nous montrait cette photo, la dernière qui avait pris justement une sonde martienne de Deimos ou Phobos. De Phobos, duquel approchait, donc c'était un des deux satellites de Mars, dont l'apparition a été soudainement constatée en 1870, je crois. On ne voyait pas avant. Et Deimos aussi. Soudainement, ah ben tiens, il y avait aussi celui-là qu'on ne voyait pas avant. Bon, c'est peut-être la technologie qui a évolué, ou il est peut-être arrivé. Hein. Ah ben oui, en général, ces satellites-là, là, ils sont creux, hein, et ils sont habités. Alors, je pense que c'est Phobos, approchait un de ces ovnis tubes, ces Sky Dreadnought énormes, hein, qui doivent faire 15 km de long, genre, hein, 15 km de long, sur 2 ou 3 de diamètre. 2 ou 3 km de diamètre. Bien. Et c'était les dernières images de leur sonde. Voilà. Histoire de dire, non seulement c'est habité, mais en plus, ils gèrent notre présence là-bas. Bon, puisqu'on parle de Popova, elle nous disait aussi que l'état d'esprit de tous les humains sur Terre pouvait résoudre les choses s'ils s'unifiaient dans une vibration commune d'intention bénéfique, généreuse, solidaire, aimante, etc., etc. Ben, un de ces quatre, il va falloir s'y mettre le matin, quoi. Hein? Je ne sais pas, on va essayer. Parce que là, si tout le monde s'y met en disant « nettoyage », je pense qu'on va nettoyer. Je pense que leurs machines vont bouler les plombs. Je pense que leur intranet interne de flicage, contrôle mental et autres va péricliter. Je pense que le système des aiguilleurs du ciel qui organise tous les chemtrails va peut-être se mettre en grève, quelque chose dans le genre, ou similaire. Je pense qu'on peut faire ça. Je pense qu'on peut, je pense aussi qu'on ne sait pas vraiment le faire. Alors, tout le monde se demande la question, là, mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas retourné sur la Lune ? Alors, elle nous dit, c'est la ceinture de Van Allen. Et James nous dit, non, il faut des vaisseaux faits d'un métal particulier qui nous permet de ne pas être gênés par les radiations de la ceinture de Van Allen, par exemple. Il nous dit, on a été là-haut, mais on s'en est fait virer parce qu'on a commencé à installer des armes dans les bases qu'on installait sur Mars et sur la Lune. Et Kevin Smith, non, Norman Berggrund. Norman Berggrund, c'est la personne qui a écrit Ringmakers of Saturn. C'est un bouquin que vous pouvez trouver sur Amazon. Je ne sais plus s'il est à 800 ou à 8000 dollars maintenant. Et je pense qu'il a dû passer le cap des 80 000 aujourd'hui. Oui. C'est donc, il étudiait des photos officielles de la NASA autour desquelles il a repéré des vaisseaux particuliers qui étaient justement en train, autour de Saturne, quasiment de travailler sur les anneaux de Saturne et de finir de créer le troisième anneau qui, donc, quand il avait commencé ses observations, l'anneau n'était pas fermé. Et là, il assistait à la fin du boulot, quoi. D'après James, c'est un travail que font ces ovnis-là, de récupérer des matériaux sur les planètes et de les amener se faire cuire quelque part à la radiation cosmique un certain temps, de façon après à ce qu'ils soient plus disponibles à d'autres emplois
sur la planète. Mais bon, il fait la différence entre les IT et les IB, ET ou EBE. EBE, entité biologique extraterrestre, il dit ça, c'est un énorme problème. Ça sort des laboratoires, ce sont des terminaux d'ordinateurs. Tout le monde s'en est un peu servi, mais aujourd'hui, ils sont problématiques. Tandis que les IT, eux, ce sont des civilisations supérieures, hein, on va dire directement. Hein. Et qui se servent des IBI en général. Et que dans les IT, moi, je fais la distinction des bienveillants et des malveillants, et de ceux qui sont psychiques et pas psychiques. Et notre gros problème, c'est avec des psychiques malveillants, évidemment. Mais bon, il existe aussi des psychiques bienveillants et des bienveillants et malveillants qui ne sont pas psychiques. Psychique, ça veut dire qu'ils ne lisent pas dans l'esprit des gens, ils n'ont pas vraiment de pouvoir mentaux, ils doivent se servir de technologie plutôt, pour se déplacer, pour transporter des choses, pour agir. Tandis que les autres, pas forcément, a priori. Ou ils ont une technologie encore plus subtile. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le problème justement avec les grilles, là, les EBE, c'est qu'ils peuvent être utilisés par les militaires à n'importe quelle fin. James nous confirme que normalement, maintenant, il n'y a plus d'abduction par les IT. S'il y en a, je rajouterais, ce ne sont plus que par les groupes militaires sauvages, autonomes, là. Peut-être le Black Sun, quelque chose dans le genre. Mais les IT, eux, ne font plus d'abduction. Enfin, il y en a qui pourraient essayer, mais bon, normalement, il n'y en a plus. C'est-à-dire que la phase 4 du scénario de Van Braun, l'invasion extraterrestre, le projet Blue Beam n'est plus réalisable avec intervention d'extraterrestres. Vrai, méchant. D'après James, Reagan s'est fait simplifier pour être sûr qu'il n'allait pas mettre de bâton dans les roues de la suite du plan. On se rappelle que Reagan était plutôt pour la disclosure. Il avait admis en avoir vu, seul et en compagnie d'une amie actrice avec lui, me semble-t-il. Il en avait un petit peu parlé. Et puis, il avait certaines intentions, possiblement, de travail en simultané avec les Russes, mais je ne veux pas m'avancer trop. Comme il y en a d'autres qui avaient les mêmes plans, je ne veux pas confondre non plus. Oui, JFK avait un plan commun avec les Russes aussi, officiel, il l'avait dit. Il n'aurait peut-être pas dû. Ben, entre ça, la fin de la guerre du Vietnam, la récupération de la Banque fédérale sous contrôle d'État, et puis quoi d'autre encore? Mettre un sacré coup dans la mafia, ça je ne sais pas, parce qu'ils en étaient un petit peu d'une certaine mafia. Mais bon, je ne sais pas trop. Donc on peut dire qu'il y a là au moins déjà 3 ou 4 ou 5 bonnes raisons de le simplifier par des groupes qui n'ont aucun problème à entreprendre ce genre de simplification. Donc là, infiltrés comme ils sont, ces groupes, en plus, ils ont très bien pu se mettre d'accord et organiser quelque chose comme ils ont organisé par la suite pour le 11 septembre. Parce que pour le 11 septembre, il a fallu une collaboration active et précise de tellement de services gouvernementaux qui soit étaient absents, soit n'étaient pas là, soit faisaient autre chose, soit etc. etc. Ben, le général qui dit « Vous êtes sûr qu'il y a un détournement là? Veuillez vérifier. » Non mais attends, chef, pour en arriver jusqu'au niveau de te parler d'un tel truc, ça a été vérifié 20 fois déjà. Veuillez non, c'était pour gagner du temps. Gagner du temps. Le jeune homme qui dit 15 secondes avec avant impact, 14, 13, 10, rien de changé, chef. Et puis Dick Cheney ou l'autre qui lui dit, est-ce que quelqu'un t'a dit qu'on avait changé quelque chose? Alors, le gars dit, non, mais je vous demande juste, quoi, parce que là, le missile, il arrive droit sur le Patagone. Et c'est quand est-ce qu'on déclenche les contre-mesures? Il voulait dire. Ben non, pas eu de contre-mesure, le missile est rentré dans le Pentagone, juste dans le bureau, il y avait l'enquête sur les fraudes à la bourse,
sur à propos du 11 septembre, vous voyez, les fraudes aériennes, les délits d'initiés, les... Ouais, c'était dans un bureau là au Pentagone, là où est rentré le missile. Le missile, hein. Il y a les photos du missile. Il y a une petite vidéo du missile. Tout le monde a dit c'est du fake. On ne voit pas pourquoi c'est du fake. Tout fonctionne sur cette image. Tout fonctionne. Ça ne fonctionne pas avec un avion qui ne peut pas slalomer entre les pylônes électriques qui ne sont pas tombés. Les lampadaires sur le pré devant le Pentagone ne sont pas tombés. Enfin, il y a tellement d'incohérences. Plus le manque de pièces, les ailes qui ne rentrent pas dans le trou, aucun réacteur. La boîte noire, peut-être ? Non, rien du tout. Ça, c'est un frangin et sa frangine. Ah ben, dis donc. Quel teigne, ce petit bonhomme, là. Oh, la pauvre mimi. Il est gonflant, hein. Quel but. On rigole. Bah, normalement, je gueule, mais là, je ne vais pas gueuler, puisque on est en enregistrement, d'une part. Et puis, je ne veux pas qu'elle le prenne mal. Elle a subi l'autre gros bonhomme. Ah, c'est le caractère de chat. Hein, c'est sa loi. C'est normal. Hein. En plus, avec ce que j'aurais fait subir au niveau des gonades, franchement, je préfère calmer le jeu que continuer à me comporter de manière anormale. Nécessaire, mais anormale. Donc, pour James, Reagan a été tué d'une balle dans la tête. En fait, donc, le Deep State voulait être sûr que certains agendas soient accomplis que Reagan n'aurait jamais entrepris. Et notamment en faisant des régulations sur la possession d'armes. Il semblerait que la Deutsche Bank ait fait récemment la même erreur. Et James trouve génial qu'en même temps l'Angleterre fasse son Brexit, qu'en même temps il y ait le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui fait que maintenant, même si la Deutsche Bank voulait continuer son business, elle ne peut plus. En fait, les régulations sont faites pour être sûr que les banques ne tombent pas en manque de liquidité. Toute l'affaire n'est qu'une fraude gigantesque. Et là, James fait un encart. Il nous dit que lorsqu'ils ont fait cette découverte incroyable dans les montagnes du Buzegi, en Roumanie, on en a parlé, tout le monde est au courant, vous savez, un nouveau satellite a découvert une zone d'anomalies magnétiques dans les montagnes du Buzegi. Ils sont intéressés, ils ont trouvé finalement ce qu'on appelle une salle de savoir, un hall day record, qui daterait des temps pré-Atlantes, enfin durant en tout cas, et qui dispose à l'intérieur de technologies holographiques et autres incroyables, et aussi de systèmes de tunnels qui peuvent les amener en Égypte, enfin un peu partout sur Terre, au Tibet, et voire même vers le centre de la Terre, enfin vers la Terre intérieure, allons-nous dire. Sinon, les gens vont encore imaginer qu'il y a un soleil là au milieu de la Terre. Dans la 3D, il n'y a pas de soleil au milieu de la Terre. Dans la 3D, il y a du matériel. Alors maintenant, est-ce que la 3D dure jusqu'au centre du milieu de la Terre ? C'est un autre sujet. Mais le noyau qui est soumis aux tempêtes solaires et qui se dilate avec ou qui se rétracte, qui contribue au champ magnétique terrestre, lui, c'est de la ferraille, c'est du métal, c'est des métaux lourds, c'est énormément de choses qui font que c'est possible de recréer ça en laboratoire. Il se passe des choses quand vous faites tourner une sphère polarisée dans un champ magnétique ou dans un champ électrique. Il se passe des choses quand vous avez des particules qui circulent dans des champs électriques et magnétiques et qui accèdent à des vitesses incroyables, proches de la vitesse de la lumière. Et là, on tourne autour de la technologie du Black Sun, hein, si on s'en rappelle un peu.
Ben, c'est l'interprétation qui a été faite d'un scientifique anglais à partir du logo du Black Sun pour expliquer ce passage du niveau du ponctuel au niveau sphérique, on va dire. Mais oui, sphérique, pas circulaire, plat. Et ça me rappelle aussi le voyage dans l'autre sens que l'on fait avec Dan Winter, où on passe d'un niveau dimensionnel à un autre niveau dimensionnel en conservant nos mémoires, hein, parce qu'on pratique une certaine dynamique qui est organisée selon des proportions de phi et d'autres notions comme ça, physiques très 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 pointues. Alors, lui nous dit qu'il y a l'équivalent d'une pyramide enterrée au Bousségui, que ça remonte aux anciennes lignées, et qu'ils y ont trouvé aussi de l'or blanc, de l'or monoatomique, je pense. Mais malheureusement, les Illuminati ont vite mis la main sur cette annonce et cette découverte, et sur la quantité colossale d'or blanc, qui serait une cure pour toute attaque pathogène. Voilà, donc vous en prenez un peu, puis vous n'avez plus de virus, quoi. Aucun. Aucun virus. Mais bon, ça, on n'y accédera jamais, nous, le peuple. April nous dit, mais on pourrait soigner ça avec des fréquences, ce en quoi je la soutiens. Mais James dit non. Il nous dit que les harmoniques et les fréquences, c'est pour le La La Land, les wou-wou. Ouais, je suis super surpris, hein, parce que Lakowski soigne, enfin bon, ça claire. En tout cas, ça améliore bien les choses. Peut-être que ça pourrait être mieux, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va nous dire, là, James? En fait, ça ne sera pas divulgué au public parce qu'il nous faudrait tout l'or du monde. En fait, au même moment que cette explosion, enfin, explosion, ce début de pandémie, ce virus est sorti d'une éprouvette, et James répète, mais pas en Chine. Au même moment, il y a eu une explosion incroyable ailleurs, en Chine, un peu semblable à celle qui s'était produite il y a quelques années. Mais bon, cette explosion-là a été plus intense et a produit une chaleur blanche extrême. Et ça, c'est le genre d'explosion qui arrive lorsqu'on appuie sur le bouton rouge autodestruction d'un de ces laboratoires d'où il y aurait une fuite. Il y a un système de mise à feu qui fait monter à des températures telles qu'il n'y a plus rien qui en ressort vivant, aucun virus. Et donc la Chine essayait de contenir cette fuite de ce laboratoire à un autre laboratoire. Ben oui, évidemment. La première chose que vous faites quand vous avez les moyens, c'est de tout construire en double, voire en triple. S'il y a eu un billet qui foire, vous avez une ressource, voire deux. Ils sont à ce niveau-là maintenant de finances possibles. Ils ont des trillions de trillions. Ah, petit encart, l'hôpital qu'ils ont construit en 10 jours, là, c'est vraiment une catastrophe au niveau immobilier. Ben, les canalisations fuient, enfin bon, ça ne tient pas, ça a été construit à la va-vite, pas par des pros en plus, on dirait, quoi. Hein? Ils ont fait marcher les intérimaires. Comme si on parlait de Fukushima, l'usine de Daiichi, qui avait aussi plein de problèmes, qui a amené les réacteurs jusqu'à des stades critiques. Et d'ailleurs, c'est là qu'un petit Israël a été impliqué au niveau de la sécurité. Ils ont fait un service de caméra de sécurité. Et ils ont aussi essayé des mélanges de combustibles avec du MOX, voire même de l'uranium-238. Et bien sûr, ça ne s'est pas passé très très bien. Mais ce que les sionistes qui sont au pouvoir en Israël étaient capables de faire, ils ont créé aux États-Unis le virus Stuxnet,
Donc, c'était un virus informatique qui permettait, informatique celui-là, qui permettait de faire croire que tout va bien alors que tout va mal au niveau de la salle des machines. Hein. Vous êtes dans la salle de contrôle en haut, les pompes marchent bien, la température est froide, mais en bas, tout part à volo. Il s'avère que quelqu'un, par hasard ou involontairement, a réussi à convaincre Israël que cette usine était en train de fabriquer du combustible nucléaire qu'il allait revendre à l'Iran. Du plutonium de niveau militaire, donc, hein, qu'il allait revendre à l'Iran. Et donc, ils ont mis en place tous les éléments nécessaires à la création d'une vague énorme, un tsunami. Mais enfin, regardez comme ils inversent tout. Vous vous rappelez ce qu'on avait eu comme événement aux États-Unis, qu'on avait appelé le syndrome chinois? Moi, je crois que c'est Three Miles Island ou je ne sais pas où, il y a eu un problème de réacteur. Le réacteur commençait à perforer les sols et le syndrome chinois, c'est l'idée que le réacteur ne s'arrête que lorsqu'il arrive en Chine de l'autre côté, quoi. Petit encart, c'est vraiment un titre pour la presse, hein. Parce que quoi que ce soit qui descende jusqu'au centre par attraction gravitationnelle va s'arrêter au centre. Oui. Non, mais bon, le public, on lui trouve une formule choc et on travaille sur la stratégie du choc. Il est dans un état de panique, c'est normal un petit peu, il ne connaît plus rien. Et il se moque de ceux qui essayent de lui apprendre quelque chose. Lui apprendre, façon de parler, hein, toute humilité, sans prétention, le mettre au courant de quelques trucs. Donc, ouais, quelle que soit la gravité, hein, on s'en fout, le sujet, c'est pas, il n'y a pas de gravité, la Terre est plate, non, vraiment pas. De toute façon, laissez tomber la Terre plate. Avec moi, laissez tomber. Hein. Que ce soit au niveau sismique, que ce soit au niveau cosmique, que ce soit au niveau ziti, que ce soit au niveau lucidité, que ce soit au niveau même hypnose régressive, hein. Enfin, deep, enfin, méditation profonde, transméditation profonde. Quel que soit le niveau, personne n'arrive avec une terre plate nulle part dans l'univers. Et un globe dessus. Puis j'ai une autre petite suggestion à vous faire. C'est, vous voyez ces gros ballons de plage énormes ou ces gros ballons de rééducation très durs sur lesquels vous pouvez monter. Si vous mettez dessus là et puis que vous faites le tour en regardant le bord le plus loin de votre balle, vous ne verrez aucune courbe. Vous ne verrez toujours que le bord rond. Hein? Enfin, si vous mettez à l'échelle un petit peu, évidemment. Mais de toute façon, vous n'aurez pas de courbe dans ce sens-là. Vous aurez un arrondi plat. Si vous mettez au-dessus d'une assiette, vous ne voyez pas de courbe. Vous voyez du plat. Non, mais là, quand même, il y a une vue de l'esprit qui manque, soit chez moi, soit chez les autres. Mais quelque part, il manque une vue de l'esprit. Vous êtes au sommet d'une boule, vous regardez autour de vous, vous n'avez pas une courbe par rapport à l'horizontale. Vous avez une courbe entre vous et le point le plus loin, à la limite, et normalement. Et l'eau, elle est toujours plate. Donc, on peut dire que les mers, les océans sont cernés par les bords de la surface qui les porte, et que les bords de cette surface peuvent être comme les angles, on va dire, d'un dodécaèdre. Bon, dodécaèdre, là, c'est parce qu'on l'a vu avec les énergies et les grilles énergétiques tout à l'heure, mais c'est donc une boule à facettes, un ballon de football, hein, mais que qui serait fait en acier, ce qui fait que le cuir ne s'arrondirait pas avec la pression, hein, vous voyez. Mais on arriverait à faire une sphère de petites facettes, une boule de boîte de nuit. Ce ne sont que des petites facettes plates.
Ben voilà, au milieu de chaque facette, là, si c'était de la purée, cette boule à facettes, au milieu de chaque facette, vous pourriez faire un petit trou avec votre cuillère et mettre du jus dans la purée. Et vous auriez donc des montagnes avec des lacs de montagne. Et le lac de montagne, il est plat. Ben, la montagne, elle n'est pas plate. Je vous laisse le temps de réfléchir ou pas? La purée, le jus, ça vous dit rien? Alors James fait une erreur là, il nous parle de corexit pour nommer la masse qui s'est échappée du réacteur central, cette masse en fusion. Petit encart, à Tchernobyl, cette masse a été transformée en aluminium et à Fukushima, la piscine n'est toujours pas tombée. Comment ça se fait? La piscine de refroidissement qu'ils ont mis au quatrième étage, vous voyez, dans un pays sismique, sur une faille. Vous savez que c'est la reine qui tient le commerce de l'uranium? On va dire le commerce, la détention, la gestion de l'uranium. C'est la reine. Elle en met partout, elle pollue tout. Qu'est-ce qui se passe là? Alors qu'on a la planète radioactive, qu'est-ce qui se passe? La reine d'Angleterre, hein, je dis. Là. Quand je parle de la reine, c'est d'elle, hein, qu'on parle. Si c'en est d'une autre, je préciserai. Alors, James nous dit que le magma en fusion est arrivé jusqu'au niveau du manteau et que là, il y a des réactions quand même qui ont boosté le système volcanique, même à Hawaï, etc. Encore, moi, je suis aussi les versions de l'univers électrique et là, on est un petit peu soumis plutôt aux dilatations qui viennent du Soleil. Hein. Le Soleil change de champ magnétique, donc celui de la Terre aussi, et dans ces conditions-là, les métaux sont plus volumineux, ils se dilatent dans les conditions actuelles, d'après mon interprétation. Mais bon. Bon, James dit qu'ils sont tout à fait au courant des dégâts qu'ils occasionnent, même quand ils font du fracking, dont on a parlé il y a 10 minutes. Donc, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec cette masse en fusion, mais on sait que ça a touché les océans. Oui, je rappelle qu'il n'y a plus de vie dans le Pacifique Nord. À propos, les coraux, non, ça va mieux. La barrière de corail et un autre endroit, ça, en fait, ça va mieux. Se passe un truc là aussi. Le GIEC a complètement sous-estimé le pouvoir régulateur des océans au niveau des températures et des gaz. Le GIEC, en fait, il faut vraiment plus en parler. Hein. Il va changer de nom, je pense, hein, l'an prochain d'ailleurs. Oui, parce que l'an prochain, ils vont adapter les vraies mesures dans lesquelles on remarque que l'influence solaire vaut pour 99% dans le climat terrestre. Et que l'humain, non. Mais l'humain, il vaut bien pour 99% dans la pollution terrestre. Mais c'est pas le même sujet. Et les financiers de la pollution, sont ceux qui financent aussi la lutte pour le climat. Hein, ben ils n'ont qu'à aller râler contre le soleil, déjà, hein, ces financiers-là, de libérer les énergies libres et écologiques, n'est-ce pas, et gratuites. De trois, rembourser, payer, nettoyer, faire amende honorable, redistribuer tout ce qu'ils ont piqué à la planète. Ils n'ont qu'à faire ça. Ils ont les moyens, nous, on ne les a pas. Bon, mais comme ils ne veulent pas et puis qu'on était en train de leur dire vous allez le faire, ils nous ont envoyé un virus. Et même s'il n'y a pas de virus, il y en a un, mais même s'il y en a, il y en a même plusieurs. Mais même s'il n'y en avait pas, la suite des courses, c'est qu'on a perdu encore les dernières libertés qui nous restaient. Et eux, ils sont tous armés dans les rues maintenant, les forces de l'ordre. Avec des armes dont la moitié ne savent pas servir, à mon avis. Et si ça s'en servir, ils ne sont pas français, alors ils viennent d'où? Oui, on a combien de troupes, nous, qui sont sur les terrains de guerre? Combien de personnes? 1 000, 2 000? Il y a combien de troupes déployées en France en ce moment qui sont armées, comme des Robocop, avec des armes automatiques, des armes d'assaut? Et qui massacrent les civils, hein?
Nous, on n'a rien dans les mains et on prend des coups de matraque sur les os. Pourquoi ? Ils font ça pour faire mal ? Pas pour vous repousser, pour faire mal. Ah. Qui c'est qui leur fait la bouffe à midi, là ? Ils ont une mère encore, ces trucs-là, ou ils sortent de tubes éprouvettes ? Ils préfèrent leur paye à la vie des hommes et des femmes et des enfants, à leur santé ? Tout LBD qui frappe, le traumatisme dans le temps, si c'est dans 6 ans que le traumatisme se révèle, que l'organe défaille, vous êtes responsable, 6 ans plus tard, mais bien sûr, tous les toubibs qui ont vacciné sont responsables à vie de la santé de leurs patients vaccinés. Ben, je crois qu'ils peuvent vendre leur maison, hein, parce qu'il y a de quoi rembourser là. Ils peuvent se mettre au travail d'ailleurs même. Eux et toute leur famille qui ont bénéficié de ces largesses des laboratoires. Et où sont les laboratoires ? Ils sont où les laboratoires ? Je ne sais pas, moi. Je vous dis, pioche et clé à molette, hein. On démonte tout. On démonte tout, proprement, sans salir. Non, non, on ne pollue pas, on démonte tout. On récupère, on recycle. On va s'en servir pour faire autre chose, une fois que ça sera dépollué. Et le personnel ? Ben, lui, il faudra le pucer, moi, je pense. Parce qu'il n'est pas sain, là-haut. Lui, il faudra le mettre sous contrôle. Ouais, ça c'est clair. Ah ben, écoutez, hein, il aura le choix. On va lui laisser le choix, bien sûr. Enfin, c'est pas le sujet du jour. Là, je suis en plein délire. Je travaille dans l'après, là, bientôt. Alors qu'on n'a même pas commencé l'avant. Enfin, si, on est dans l'avant. James nous rappelle que sur la Terre, on est balayé de courants. Il y a des courants dans les mers et dans les océans, il y a des courants dans les vents, il y a des courants au-dessus, il y a les jet streams. Et que personne n'avait imaginé qu'en 3 jours, en fait, les côtes californiennes seraient déjà infectées par les premiers rejets de Fukushima. Alors là, il nous parle de nouveau de ce métal dont il parlait au début du show, qui améliorait le rendement de la vigne et le goût du raisin et tout ça. Il dit, si vous remplissez une vieille carrière d'eau et que vous y mettez ce métal, tout ce que vous y ferez tremper comme poisson dedans reprendra un goût normal. Tandis qu'en ce moment, tout est dégénéré. Hein, en élaborant la salinité adéquate. Parce que donc, les crustacés d'aujourd'hui n'ont plus le goût qu'ils avaient avant. Et il n'y a plus qu'une seule source de crustacés qui est encore cet ancien vrai goût des fruits de mer. Et ils viennent d'une certaine zone très profonde, sur lesquels d'ailleurs tous les pays qui sont grands amateurs asiatiques de fruits de mer ont mis un monopole. James nous dit que si vous prenez des micro-organismes tels qu'ils vivent sur les volcans sous-marins, les sources sous-marines d'eau chaude, que vous les mettez dans une boîte de pétri avec le minéral dont on parle depuis pour la troisième reprise maintenant, vous obtenez un milieu dans lequel vous arrivez à décomposer les radiations nucléaires, la radioactivité. Les produits radioactifs perdent leur capacité nocive. La capacité de digérer les déchets plutonium. Il semblerait que Paul Stamets aussi, qui est un spécialiste des champignons, ait découvert qu'en utilisant certains champignons, on pouvait désagréger certains toxiques. Et personnellement, je rajouterais les EM, les micro-éléments, qui sont un mix de vie microscopique équilibré entre 60% d'agents positifs et 40% de négatifs, ce qui crée un milieu équilibré. Il faut du négatif pour que ça marche bien. Si vous mettez que les positifs, ça ne marche pas. Et donc, un tas de sable imprégné de pétrole, vous mettez ça dessus, et je crois qu'en moins de 2 semaines, il n'y a plus de pétrole. C'est aussi un élément très intéressant pour tous les jardins, évidemment.
ça augmente l'entropie, non, la négantropie, ça améliore les choses. Hein. Ça propose de la vie, donc ça augmente la négantropie. Quelle idée de donner un terme dans ce sens-là et son négatif pour quelque chose qui va bien. Il faut vraiment être tordu. Hein. Donc, avec ce métal particulier, cette terre particulière, il est allé voir quelqu'un qui avait des relations avec la trilatérale, la commission trilatérale. Donc, il s'est fait un peu avoir et il a montré l'endroit au Nevada où il y avait cette mine, ce minerai. Le seul endroit dans le monde, dans le désert, là où vous pouvez en trouver. Il a commencé à en tirer un business, le gars, hein, pas James. Et puis, l'affaire a été récupérée et ils ont perdu les rênes. Et ça a été récupéré par qui de droit, hein, qui s'y connaissait à partir de la trilatérale, vers les familles. Le gars s'est fait entretenir, puis un jour ou l'autre, ben, il a disparu. Quoi. Et donc, parce qu'il s'était associé avec la mafia. Et donc, maintenant, la mafia contrôle ça aussi. La mafia, c'est les mêmes. Hein. L'argent d'où ils viennent va au même endroit. Et donc, on change le sujet et James, on lui pose la question, mais vous êtes d'où? Et lui, il dit, non, mais moi, je ne suis pas d'ici. Mais vous, vous êtes venu dans ce système solaire avec la Lune. Il y a 250 000 ans, c'est ça? 235 000 ans, nous précise James. Vous étiez sur Mars, vous aviez mis votre Lune autour de Mars, ce qui n'était pas bien malin. Ça posait un problème, mais il y avait des gens à la civilisation très avancée qui habitaient sur Mars à l'époque, qui vous ont aidé à ce niveau-là et vous ont permis de vivre et de survivre sur Mars. En fait, ils avaient des dons pour la technologie spirituelle. En fait, la Lune servait aussi de réserve de minéraux pour les technologies dont on se servait à l'époque. Donc, c'était les provisions de voyage dans l'émigration galactique. En fait, la Lune est bourrée de minerais et de matériaux divers qui étaient censés pouvoir servir tout au long du voyage et une fois qu'on serait sur place. Et ils n'avaient pas fait la moitié du voyage qu'ils ont remarqué qu'ils avaient perdu leur système d'habitation premier. Enfin, comment dire, le système home. C'est comme si nous, on s'en va de notre système solaire avec la Terre, qu'on va vers Andromède, tout ça, puis qu'un beau jour, on apprend que le reste du système solaire a explosé. Quoi. Et donc, on a perdu notre système solaire d'origine. Et donc, on a survécu sur Mars jusqu'à ce qu'on fasse une erreur majeure qui nous a obligés à émigrer sur Terre. Et ces gens, ils ont un nom, hein, on les appelle les Druges. Vraiment une population magnifique. Ils avaient un système de machines sous la surface de Mars, avec lequel Tesla était en contact. Et il a même écrit dessus. Une fois que Tesla avait créé tout le système d'éclairage, il avait même trouvé que ça pouvait devenir un portail utile. Et bien sûr, un portail utile pour les E.T. John Kelly parle d'un cas avec une expérience qui faisait intervenir un éclair, une boule d'éclair, qui a montré une certaine intelligence. Alors, April lui demande si c'est le même genre de sphère d'électricité, de boules de foudre, en fait, je sais pas, qu'on voit des fois autour des corps circles. Et James dit non, 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 là je pense qu'il y a beaucoup de confusion. En fait, il nous parle d'une expérience qui avait eu lieu par des E.T. qui voulaient prouver leur réalité à quelqu'un qui a pris des photos finalement de l'expérience où son véhicule s'est dématérialisé dans un endroit pour se rematérialiser ailleurs. Et le gars a pris des photos. Cette capacité de bilocalisation existe. James dit, moi, je ne vais pas vous faire des miracles. Je ne vais pas devenir un homme médecine à miracle. Mais j'ai toujours dit que quiconque suivait mon travail aurait des indices, si j'ai bien compris. Il nous parle de la notion, pour certains aborigènes, du fait que ce que l'on vit là, c'est le monde du rêve. Et là, je dois faire un encart. Hier, j'ai entendu des révélations assez étranges à propos de quelqu'un dont je traduis régulièrement des vidéos et qui dernièrement nous a amené un petit clé USB particulière. Bon,
La clé USB, il n'y a pas que lui qui l'amène. Je ne remets pas la clé en question. Il semblerait qu'il y ait des gens qui aient à se plaindre en fait, des services de cette personne. J'attends un petit peu d'en savoir plus, mais en attendant, je vais assurément arrêter de parler de lui de la même manière, en attendant d'en savoir plus. Non, parce que ce que j'ai appris tient l'ordre de l'agression subtile. C'est ce qu'on dénonçait avec ces gens qui vont se faire soigner dans des clubs ayahuasca et qui finissent par être soumis aux entités qui avaient pris possession des tenants du club et qui se font maltraiter. Donc, la situation est pour moi grave, là. Dangereuse et très gênante aussi, puisque je faisais presque la promotion du personnage en même temps que son travail. Et je ne tiens absolument pas à que quiconque aujourd'hui se serve de ça pour aller prendre ses services. Donc voilà, c'était un encart qui est un peu flou peut-être. Non, il y a des gros doutes et j'ai un problème parce que maintenant, quelqu'un qui était passé pour déluré, débile, déstabilisé, un peu drogué, un peu tout, quoi, reprend beaucoup plus de poids. Enfin, ces témoignages reprennent beaucoup plus de poids. Comment dire, on a la même situation ici en France avec certaines personnes qui sont soumises au harcèlement électronique, psychotronique, et qui finalement donnent un aspect d'eux-mêmes qui ne donnent pas confiance à ce qu'ils disent, hein, qui les décrédibilisent. Ben voilà. Ça donne, donc, on avait finalement une potentielle victime mais victime d'autre chose. Hein. Mais enfin, bon, une potentielle victime qui râle contre le personnage n'était pas crédible, du coup. Mais bon, elle n'était pas crédible parce qu'à cause des agressions, globalement. Mais bon, je reprends avec James Wack. Les gens qui attendent la seconde venue du Christ vont attendre encore très longtemps. Cette seconde venue du Christ, c'est une allégorie, je crois qu'on appelle ça comme ça, pour illustrer ce qui peut se passer si vous le faites, vous. Si vous le faites, vous, chacun. C'est en vous, c'est l'état christique de chacun. C'est incroyable, cette recherche du sauveur externe, en suivant un bouquin qui est frelaté, ce dont on n'arrête pas de prouver. Il est frelaté. L'interprétation qu'on en fait est complètement frelatée et fausse. Et faites pour vous maintenir dans cet état de soumission. C'est quand même fort en chocolat. On est dans une religion libre de notre côté. Vous avez le droit d'en sortir et d'y retourner si vous ne voulez pas après. Donc, sortez-en un moment. Regardez ce que signifie le point de vue que je vous amène. Allez voir les vidéos de Mauro Biglino et de ses collègues. Et puis après, si tout ça ne vous satisfait pas, ben, rien ne vous empêche de retourner dans votre religion. Tant pis pour vous, on aura fait ce qu'on aura pu là. Mais n'essayez pas de nous l'impliquer. Il y a une question de développement mental, là, de conscience, d'éveil. Hein. Ce n'est pas des croyances. Nous, on est sûrs. Et je ne nie pas les présences, les entités, je nie rien de tout ça. Au contraire, je vous dis par contre que les acteurs, vous les avez mal étiquetés. Leur rôle, vous les avez mis dans les bons gars et ce n'est pas les bons gars. A priori. Non, parce que je ne crois pas là. Donc, vous attendez de l'aide, enfin, ces gens-là attendent de l'aide immatérielle pour résoudre des problèmes matériels qui ne sont jamais résolus et qui augmentent. Bravo le résultat de la prière. Vous êtes combien de millions là à prier en ce moment? Quel impact! Ça m'épate! Je ne sais pas, moi, je ne sais pas.
entre ça et, qui vont, et ceux qui vont encore voter. Mais alors vraiment, mais où ? Ça, c'est l'impact des vaccins, des chemtrails, du Wi-Fi, de la propagande, de quoi d'autre ? Des OGM, de la bouffe toute faite, des perturbateurs endocriniens. C'est ça, c'est le résultat. Regardez, moi, je ne suis pas soumis à ça. Moi, je suis le même qu'il y a 50 ans. Hein. Le même. Un peu plus usé, quoi. Mais les mêmes idées, les mêmes aberrations sont flagrantes pour moi. Et d'autres en plus. Hein. Mais juste parce que j'ai eu une vie où je maîtrise mes apports internes, quel que soit l'orifice, quel que soit l'interface sonore, visuelle, tactile, intellectuelle, sensitive, émotionnelle, quelle qu'elle soit. Je ne sais pas. N'oubliez pas que vous êtes tous faits comme moi, hein, normalement. Non, parce que moi, Pam déterre. Hein. Déterre. En fait, il nous fait un parallèle là, parce qu'il dit, enfin, si vous voulez savoir le second retour du Christ, il y avait David Koresh, la secte aux États-Unis. Lui était à deux doigts d'avoir compris comment ça marchait et il voulait ouvrir le septième sceau et en faire partager tout le monde. Il s'est avéré que dans sa maison, en dessous, il y avait des souterrains. Et que dans ces souterrains, il était passé, en agrandissant, à deux doigts, ou c'est lui qui agrandissait, ou c'est les autres, d'autres souterrains qui passaient sous la frontière, qui allaient vers la frontière, qui servaient à des trafics humains et de drogue, de la part de, je ne sais pas, on verra, beaucoup d'importance, c'est d'ailleurs toujours les mêmes, du deep state, on va dire. Donc, à ce moment donné, en montrant que, un, ils avaient des souterrains, et de deux, qu'ils avaient découvert le réseau, ils ont signé leur arrêt de mort. Par la suite, tout a été tourné dans les médias et la presse pour faire tourner David Koresh et sa secte pour une bande de fous, suicidaires, etc., etc. Et les gars, ils étaient juste des chrétiens déterminés à se défendre avec leurs armes contre le diable étant justement le deep state qui a tout fait en sorte pour finalement, comment ils ont, vous rappelez que c'était... Il n'y a eu que des erreurs lors de l'assaut. Hein. Ils ont tué énormément de gens, etc. etc. Enfin, ils ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de témoins gênants qui parlent après. Quoi, hein. Voilà. Voilà une version de l'affaire David Koresh que je ne connaissais pas et qui mérite de s'y intéresser parce qu'on sait que les tunnels, il y en a et que ça sert. Et puis pour ceux qui pensent que j'hallucine, regardez les tunnels qui bouchent sous la Palestine ou en Syrie ou ailleurs, qui ont été construits en quelques mois par Daesh ou les autres, et dans lesquels passent des GMC, quoi, des Jeeps avec la mitrailleuse lourde dessus, quoi. Enfin, du gros, des voitures plus grosses que la mienne, ça c'est sûr. Donc, il y a des tunnels, quoi. Pas des souterrains où on rampe dedans, comme au Vietnam potentiel, juste en surface. Non, non, non. La bonne galerie, comme il y a partout. Comme tout le monde s'est enterré, toutes les armées du monde se sont enterrées. Hein. Vous ne voyez pas la moitié des choses au-dessus de la surface. Oui. Ah, d'accord. Oh, il y en a une. Oh. Oui. Oui. Oh, une petite léchouille. Mais si c'est pas gentil, ça. Mais oui. Ah ah. On fait une petite pause donc. Hein. Oh. Mais oui. Bon, ben, je pense que ça veut dire qu'elle veut manger. Alors maintenant, on a changé de sujet. Après cette histoire de David Koresh, de la secte soi-disant suicidaire, mais qui en fait avait découvert un réseau de tunnels qui menait vers le Mexique, qui servait au trafic de drogue et humains, entre les mains de ceux qui ont réussi à faire agir le FBI et à organiser après le récit autour de cette affaire.
qui a fini en loi anti-port d'armes, etc. Hein, ça peut toujours servir. Et puis maintenant, on parle d'autre chose. On est à la psychotronique et quelqu'un qui travaillait très près d'Obama, qui est mort dernièrement, c'était Monsieur Psychotronique, un mentor de Barack Obama. Celui qui était en relation aussi avec la trilatérale, la commission trilatérale. Alors, il vous faut vous renseigner à propos de Uma Aberdeen, le dit James, qui s'est connecté à la suite d'Obama avec Hillary Clinton. Et c'est une vidéo qu'on a trouvée sur l'ordi du mari d'Aberdeen, Winners. En fait, ils avaient une vidéo où on voyait Aberdeen et Clinton en train de sacrifier une jeune fille pour en exprimer l'adrénochrome, quelque chose qui tournait sur le dark web. Mais ils pensent que finalement, l'autre, elle l'avait stocké sur son ordinateur de façon à avoir une monnaie d'échange de survie. Et donc, Aberdeen l'a procuré à son mari. Il semblerait que dans son ordi, c'était rangé dans le dossier des éléments de sécurité. Et rien que ça, ça aurait suffi à balayer Hillary Clinton. On n'arrive toujours pas à croire que les Clinton, Obama, sont encore en liberté. Il dit, ouais, vraiment, on aurait dû les condamner. Hein. Il irait jusqu'à Washington pour voir la condamnation sur sa chaise. Si ça arrivait. Bien. En fait, ils vont rester sur la politique locale américaine après. Et le son, là, ils se sont fait interférer par les services, a priori. Déjà, la communication a coupé, puis elle a repris, mais vraiment, c'est difficilement audible. Écoutez, voilà, c'était surtout l'occasion de pouvoir communiquer entre nous. Voilà, quelques news, pas assez exopolitiques pour moi, je pensais qu'il en parlerait plus. Et voilà, voilà, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous souhaite un bon courage. Je vous rappelle cette possible prochaine sévérité au niveau des contenus en images contre lesquels on peut porter plainte, ce qui va vous nuire gravement à vous, aux proches, et etc. Ce qui va aussi vachement diminuer mon numéro, mon nombre de vidéos. Ce n'est pas très grave. De toute façon, chaque vidéo, je repars avec tout le matériel, puis de temps en temps, on élabore quelque chose. Mais bon, toutes celles où il y a eu des images, je vais devoir les enlever ou ne laisser que le son. Je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible, ça. Ne laisser que le son. Parce que ça peut suffire des fois. Bon, je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt. Bon courage. Prenez soin de vous et de vos proches. Salut.